Luc Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Bouchard Innovation et depuis quand même 10 ans, là, vous travaillez sur la mise en marché d'une plateforme élévatrice autogrimpante appelée Easy Climb. Qu'est-ce que c'est? J'ai commencé à penser à cette plateforme-là puisque j'ai chassé dans un autre type de plateforme qui m'a vraiment déplu, puis même que je trouvais ça super dangereux. Donc, suite à ça, j'ai décidé de me fabriquer une plateforme pour moi, pour ma charge, puis mes garçons aussi éventuellement, afin qu'elle soit sécuritaire. Faites des recherches, il y avait 1000 accidents de chasse annuels au Québec seulement. Ça, c'était des accidents avec des séquelles permanentes. Causés par des chutes en hauteur. Oui, exactement, à chasser dans des différents types de plateformes. On appelle ça souvent les tristanes. J'ai poussé encore plus mes recherches et décidé de faire une plateforme de la faire breveter. C'est tout récent que vous avez obtenu les brevets au Canada et aux États-Unis. Au Canada, ça, le brevet, je l'ai tout en main. J'attends le brevet aux États-Unis qui n'est pas complété 100%, mais toute la demande est faite. Vous commencez justement là, à officialiser, disons, la commercialisation du produit. Oui, exactement. Il y a quand même beaucoup de gens intéressés. Elle est toute en aluminium. Fait que là, la durée de vie, tu as la grosse paix pendant longtemps. Elle est déplaçable. Il y a des plateformes présentement, c'est le fun, c'est plaisant à dire, qui vont être à la chasse à l'ours du printemps. Monsieur Bouchard, on a une Easy Climb en chair et en os que vous avez installée pour nous montrer. Oui, exactement. Fait que ça, c'est exactement la plateforme qui va être sur le marché. Ce garde-corps-là, sont amovibles. J'ai un portillon qui se place exactement à la place du garde-corps. C'est un portillon qui va ouvrir de haut en bas. Donc, ça ne nuira pas aux occupants à l'intérieur. Quelqu'un de pas habitué, ça prend 20 minutes. 20 minutes seulement à installer? Ça prend 20 minutes. Aucun outil, même pour la batterie, c'est des boules de papillon. Les sièges sont ajustables. Tu désires chasser de l'autre côté, tu vas être en mesure de le faire en faisant pivoter ta potence graduellement en montant. Dépendamment de l'angle, de l'inclinaison de l'arbre, je vais être en mesure d'incliner mon plancher ou de le mettre au niveau. Et là, est-ce qu'on va l'essayer, voir si c'est breveté Catherine Boucher? Oui, on va aller faire un petit tour. En l'espace d'une minute à peine, une montée qui se fait tout en douceur, bien maintenant, on se trouve au sommet. Ouais, exactement. À la hauteur désirée, 2 occupants à bord. Cette plateforme-là est conçue pour ça. On a l'abri maintenant qui nous coupe du vent. On se stabilise après le poteau ou l'arbre qui fait en sorte qu'après ça, on est stable en hauteur. C'était primordial pour moi, la sécurité, de faire toute l'activité d'ascension et de descendre soit à l'intérieur d'un garde-corps. Et aussi que les gens, à ce moment-là, à mobilité réduite, les gens qui peuvent avoir le vertige, on vieillit, on a des malaises, on a l'incapacité de monter d'une échelle, en chaise roulante, il y a une possibilité maintenant de pouvoir monter dans un arbre dans ma plateforme. Est-ce que c'est la seule plateforme qui est accessible aux personnes à mobilité réduite? Présentement, c'est la seule plateforme qu'on a. Ça va être le modèle, une modèle qui est faite, conçu pour 2 personnes aussi. Donc, elle a une capacité de 510 livres. À quelle clientèle votre produit s'adresse? Est-ce que c'est principalement aux chasseurs, aux particuliers ou même ceux qui travaillent en hauteur? Ça va être principalement peut-être les pourvoyeurs. Parce qu'on le sait, c'est tout en aluminium, c'est un produit qui va être quand même assez dispendieux. Par contre, au niveau commercial, là, les gens qui ont les entreprises, dont les pourvoiries, on a fait une petite recherche. D'ici 5 ans, c'est 60 % des personnes à mobilité réduite. Le coût va être assez dispendieux, mais j'ai des gens présentement qui l'achètent à leur groupe de chasseurs. C'est un projet de phase 2 pour une plateforme commerciale qui va être un tout autre design, mais un autre marché aussi complètement. Vous travaillez avec votre conjointe également là, dans votre entreprise. Vous n'avez pas encore d'employés à votre actif, mais je pense que c'est dans vos projets. Là. Non, là, on est encore à dire qu'il y a 24 heures d'une journée. Oui, ça montre aussi qu'il y a de la demande. Exactement, puis il y a de l'avancement. Il faut quand même qu'il y ait énormément de persévérance. Fait que mon entreprise, Bouchard Innovation, est faite aussi en fonction que toutes les épreuves qu'on a passées maintenant et les contacts, ça va me servir éventuellement à aider les autres. Là, on est prêt maintenant à fabriquer puis à pouvoir exporter puis en vendre. Pour que ça fasse partie de plusieurs belles histoires de chasse, on l'espère. Eh, mais, hein?